Bonjour et bienvenue sur S'instruire autrement. Aujourd'hui, je voulais vous raconter un truc que j'ai mis en place dans mon école pour que les enfants apprennent à écrire de mieux en mieux et apprennent le tracé des lettres, mais de façon un peu plus ludique que les lignes de lettres cursives à répéter tous les jours et qui les ennuient fortement. J'ai appelé ma copine orthophoniste pour savoir ce qu'elle mettait en place, elle, dans son cabinet, pour que les enfants apprennent à écrire, apprennent l'orthographe des mots. Et elle m'a dit que ce qui était surtout important, c'est que les élèves ne passent pas juste leur temps à copier ce qui est au tableau ou à copier des lignes, mais à repasser par-dessus un tracé déjà établi. Et parce que c'est comme ça qu'ils vont petit à petit intégrer comment former leur cursive. Et puis c'est beaucoup plus ludique, c'est moins fatigant, mais visuellement ils ont tout de suite la bonne orthographe. En plus, pour les enfants qui ont du mal à faire le lien entre ce qui est écrit au tableau et ce qui est écrit sur leur cahier, des fois ils ont du mal à se repérer un petit peu, c'est quelque chose écrit en gros et très loin, ou quelque chose écrit en petit et très près. Des fois, c'est pas évident pour certains enfants. Alors que là, c'est déjà écrit sur leur feuille, c'est déjà bien écrit sur leur feuille, et ils n'ont plus qu'à repasser dessus tranquillement. Ça paraît ludique et l'air de rien, ça rentre dans leur cerveau et dans leurs mains. Alors j'ai mis ça en place dans mon école. Et maintenant, quand on travaille un sujet, par exemple un sujet d'histoire, le résumé du sujet que j'aimerais bien qu'ils copient dans leur cahier, eh bien, je le leur imprime en écriture cursive pointillée. Et comme ça, je distribue à chacun la feuille et ils peuvent la repasser au rythme qu'ils veulent, à leur rythme tout simplement. Et comme ça, ils sont très fiers du résultat parce qu'ils ont bien écrit et c'est drôlement joli et propre à la fin. Et puis, ça leur fait rentrer du vocabulaire, l'orthographe des mots dans les mains et dans les yeux. Donc voilà, j'ai mis ça en place, ça marche super bien dans mon école. Voilà, je peux vous transmettre encore d'autres choses sur le sujet si ça vous intéresse autour de l'écriture. Je suis en train de tester pas mal de choses. Voilà, en tout cas, les enfants sont contents et puis moi je trouve que le résultat est très intéressant. Donc j'ai trouvé sur internet une police cursive pointillée et puis je peux vous transmettre le lien si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires dessous, me dire ce qui peut vous intéresser encore autour de l'écriture, et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.